Alors, il y a Marco qui vient de se joindre à nous, ainsi que Hicham. Alors, bienvenue à tous les deux. Alors, il y a Guillaume qui vient de se joindre à l'activité. Alors, bonjour Guillaume. Bienvenue. Alors, bonjour à toutes et à tous. L'activité va débuter dans 5 minutes. Si vous désirez tester votre microphone et ou votre caméra, vous pouvez le faire maintenant. Je vous indiquerai si je vous entends bien. Ce webinaire auquel vous êtes invité ne se déroulera pas sous la forme d'une présentation magistrale de ma part.
La parole est plutôt à vous. C'est vous qui me poserez vos questions. Ça peut être des questions qui portent sur des difficultés pédagogiques rencontrées lors de l'étude des sujets 5 à 8. Ça peut être des questions auprès du personnage David Simard en lien avec l'étude de cas évaluée que vous devez compléter cette semaine. Ça peut aussi être des questions en préparation de votre examen à venir la semaine prochaine ou sur tout autre sujet. S'il vous plaît, prenez le temps de lire les consignes relatives au déroulement du webinaire aux pages 3 et 4 du document présentement affiché à l'écran. Il y est indiqué, entre autres, que vous devez lever la main, entre guillemets, pour poser une question. Donc, lorsque vous voudrez poser une question dans le webinaire, vous utiliserez le petit bouton de main qui est en haut à gauche de votre écran, ce qui va m'envoyer un signal sonore à l'effet que vous avez une question à poser et ça va créer une file d'attente là, dans laquelle je pourrai répondre à vos questions à tour de rôle. Lorsque votre tour arrive, vous pouvez poser votre question à l'aide de votre microphone ou par écrit en utilisant l'outil de clavardage qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous pourrez aussi activer votre caméra ou non à votre guise. Finalement, je vous rappelle que l'intégralité des échanges qui surviendront lors du déroulement du webinaire est enregistrée et que l'enregistrement est ensuite rendu disponible au visionnement à tous les étudiants. En participant au webinaire, vous acceptez d'être enregistré. À tantôt. Pouvez-vous me dire si le niveau de mon son est correct? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est désagréable parce que c'est trop fort? Mohamed dit oui. Super, c'est excellent. Bon, parfait. Merci. Non, si c'est pas vrai. Latifa vient de se joindre à nous, alors bienvenue Latifa. Il y a Julie qui vient de joindre l'activité. Alors, bienvenue Julie. Benoît vient de joindre l'activité, alors bienvenue Benoît. Alors bonjour de nouveau à toutes et à tous. Je vais me permettre de vous relire les consignes reliées à l'activité du webinaire. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Nicolas Boivin, je suis le professeur de fiscalité de votre cours en ligne Fiscalité 1. Donc, d'entrée de jeu, si vous désirez tester votre microphone ou votre caméra, vous pouvez le faire maintenant. Je pourrais vous indiquer si ça fonctionne bien.
Alors, ce webinaire auquel vous êtes invité ne se déroulera pas sous la forme d'une présentation magistrale de ma part. La parole est plutôt à vous. C'est vous qui me poserez vos questions. Peut-être sur des difficultés pédagogiques que vous avez rencontrées lors de l'étude des sujets 5 à 8, des questions auprès du personnage David Simard dans le but de compléter l'étude de cas évalué qui doit être faite cette semaine, ou des questions en préparation de votre examen à venir la semaine prochaine, ou sur tout autre sujet. Comme vous avez vu en lisant le document qui est à l'écran aux pages 3 et 4, les principales consignes sur le fonctionnement y sont consignées. Entre autres, on vous dit que je vous demande que lorsque vous voulez me poser une question, s'il vous plaît, veuillez lever la main, entre guillemets. Donc, pour lever la main, il suffit d'utiliser la petite main qui se retrouve complètement en haut à gauche de votre écran. Donc, en levant la main comme ça m'envoie un signal sonore à l'effet que vous avez posé une question et ça va créer une file d'attente en ordre chronologique, là. À laquelle je pourrais répondre à tour de rôle. Lorsque votre tour arrive, vous pourrez poser votre question à l'aide de votre microphone ou par écrit, si vous préférez, en utilisant l'outil de clavardage qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez aussi activer votre caméra ou non à votre guise. Finalement, je vous rappelle que l'intégralité des échanges qui surviendront lors du déroulement du webinaire est enregistrée et que l'enregistrement est ensuite rendu disponible au visionnement à tous les étudiants. En participant au webinaire, vous acceptez d'être enregistré. Alors, voilà. En mots simples, la parole est à vous. J'ai rien préparé. C'est ça l'objectif, c'est ça le but. J'ai pas de présentation à vous faire, mais je me mets à votre entière disposition pendant les 90 minutes qui suivront pour essayer de répondre à toutes vos questions. Donc, est-ce que quelqu'un veut briser la glace et lever la main pour poser une première question? Alors, on a Mohamed qui casse la glace. Merci Mohamed, c'est gentil. Donc, soit vous posez la question en activant votre microphone, soit vous utilisez l'outil de clavardage. Moi, ma question, c'est par rapport le revenu de remplacement que la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, donne aux monde qui ont fait des accidents de circulation. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est bien imposable ou c'est considéré comme de la CSST? On l'inclut dans le revenu, on le dit après. OK, bonne question. Je comprends votre question, Mohamed, mais juste par curiosité, est-ce que ça a un rapport avec les sujets au cours du cours ou c'est une question d'information personnelle que vous voulez obtenir? Non, parce que j'ai cherché ça partout dans le... Je ne l'ai pas trouvé, OK. mais quand même, c'est un revenu. C'est une bonne question, Mohamed. C'est clairement pas matière à examen, la question que vous posez, puis ils n'ont plus la réponse que je vous donne, là, mais j'ai l'impression que ce n'est pas à inclure au revenu. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent des montants qui sont versés en dédommagement pour des blessures corporelles et tout ça. Et ça, à mon humble avis, là, je crois que ça ne se qualifie pas de revenu vraiment. Je ne crois pas que ce soit imposable. Merci de votre question, Mohamed. Alors, il y a Marco qui a une question maintenant à son tour et qui utilise l'outil de clavardage. Super. Marco dit, Monsieur Simard, avez-vous fait d'autres contributions à un parti politique dans les années dernières? Dans les dernières années? Non, j'ai jamais fait de. David Simard vous répond qu'il n'a jamais fait de contribution à des partis politiques dans les années antérieures. Merci, Marco. Une question de Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, je vous écoute ou je lis votre question dans l'outil de clavardage, comme vous le préférez. Anne-Sophie dit dans l'outil de clavardage, est-ce que l'examen final sera sous la même forme que l'examen intra? Oui, absolument. Vous pouvez vous attendre au même genre d'examen. Puis encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas,
toutes les consignes, tous les trucs, tous les conseils que j'aurais envie de vous donner comme ami, là, vraiment pour essayer de le mieux possible de vous préparer à l'examen, je l'ai écrit dans le site du cours en ligne. Il faut savoir qu'un professeur qui donne un cours en ligne n'a pas de contact beaucoup avec les étudiants, n'a pas la chance de parler beaucoup avec les étudiants. Donc, pour ma part, en tout cas, le site du cours en ligne, c'est ma façon de m'adresser à vous. Donc, tout ça, tout le site du cours en ligne, c'est moi qui l'ai conçu, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui le tiens à jour. Et j'y mets là tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc, relativement à l'examen, si vous allez lire le contenu de la semaine 16, qui est la semaine qui comprend votre examen final, vous allez avoir là un rappel de toutes les consignes ou les trucs que je peux bien vous donner. Puis effectivement, vous pouvez vous attendre à un examen final qui va être à peu près sous la même forme que l'examen intra. Merci Anne-Sophie. Guillaume, une question? OK, Guillaume nous dit dans l'outil de clavardage, les frais de garde étaient-ils pour vous permettre d'occuper un emploi? Donc, j'imagine que vous parlez à David Simard. Oui, la réponse est oui. Donc, dans mon état de banque, vous avez vu passer que je paye vous avez vu que je payais des frais de garde à une garderie. Et effectivement, ça, c'est pour aller pouvoir occuper mon emploi et aller travailler le jour. Donc, c'est David Simard qui vous répond ça, Guillaume. Merci pour votre question. En attendant, je vais dire un petit mot à Mme Roïka qui a ouvert sa caméra. Je vais fermer votre caméra le temps d'un instant, Roïka, parce que ça utilise la barre pensante. Donc, si vous avez une question puis vous voulez l'activer au moment où vous me parlerez, vous le ferez. Merci. Donc, il vous suffira de réactiver votre caméra là, si vous avez envie de prendre la parole. Comme ça, on économise un petit peu de bande pensante, chacun d'entre nous. OK, alors une nouvelle question de Maud. Super, merci Maud. Alors, dans l'outil clavardage, Maud me demande, concernant la matière présentée à l'examen final, plusieurs questions de révision disponibles sur la BQI font référence à des données précises relatives aux notions de l'intra. Exemple, le critère de résidence. Ça pourrait également être le cas à l'examen. Je ne sais pas trop à quoi vous faites référence, Maude, là. J'essaie de voir à quelle question de la BQI en fiscalité vous faites référence. Mais non, là, c'est très clair, puis je n'ai pas peur de l'avancer. L'examen final, il n'est pas récapitulatif. Donc, c'est écrit comme ça dans le site du cours en ligne, dans le contenu de la semaine 16. Donc, l'examen final porte uniquement sur le contenu des sujets 5, 6, 7 et 8. Donc, je ne reviendrai pas sur aucune notion technique ou difficile qui ont été vues dans les premiers sujets à l'intra. Mais bien sûr, je présume que ce que vous avez vu avant l'intra, vous en rappelez un petit peu. Là. Je présume que vous savez c'est quoi un revenu d'emploi puis que vous êtes encore capable de faire une présentation, qu'un calcul de revenu, vous savez c'est quoi. Mais concrètement, c'est pas ça qu'on va aller valider. Je n'irai pas valider la compréhension des thèmes qui ont été vus dans les sujets 1 à 4, mais je vais vraiment uniquement aller valider la compréhension des thèmes qui ont été vus au sujet 5, 6, 7 et 8. Voilà, Maud, merci pour votre question. Alors, une nouvelle question de Guillaume. Guillaume demande, où puis-je trouver de l'information sur les commissions payées aux courtiers lors de la vente d'une maison? Ça n'a sûrement pas rapport avec le contenu du cours, Guillaume, si je ne me trompe pas. Ce que je peux vous dire, Guillaume, c'est que tant mieux si tu... 5 500, OK, en lien avec l'étude de cas. Pardon, Guillaume.
Ben, allez voir dans la, allez voir dans. Ben, je peux pas vous répondre, malheureusement. Je suis désolé, Guillaume, mais puisque ça, je comprends votre question, ça a rapport avec l'étude de cas. Moi, je persiste à croire qu'à la lecture des sujets 5, 6, 7 et 8, vous avez toute l'information qu'il faut pour traiter chacun des items de l'étude de cas là, de David Simard. Donc, je sais exactement c'est quoi la réponse que je pourrais vous donner, mais vous comprenez que je la donnerai pas puisqu'il s'agit d'un élément d'évaluation. Mais voilà. Merci pour votre question, Guillaume. Oui, alors, nous avons une question de Noéline. Je vous écoute, Noéline, ou vous pouvez l'écrire en utilisant l'outil clavardage à votre convenance. Pendant combien d'années David a-t-il fait des dons? Bien, je peux vous dire que moi, je fais un don de 500 $, moi étant David Simard, là, je fais un don de 500 $ à chaque année depuis plusieurs années. Ça fait à peu près 10 ans. Donc, c'est à peu près je crois que c'est la 10e année cette année que je fais un don de 500 $ à la Croix-Rouge. Merci, Noéline. Alors, une nouvelle question de Julie, dans l'outil clavardage, qui me demande, pour l'examen final, vos recommandations pour une bonne préparation. Demeurent les exercices sur la BQI en fiscalité. Donc, effectivement, donc, je vous réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois pas être en mesure de vous donner un conseil ou un truc que je n'ai pas écrit dans le contenu du site du cours en ligne dans la semaine 16, parce que si je pensais à quelque chose de pertinent pour vous, j'irais l'écrire là, aussitôt. Parce que je veux vraiment que vous ayez, que tout le monde ait accès à toute cette information-là. Donc, de mémoire, là, ce que j'ai écrit dans la semaine 16 du cours en ligne, qui est la semaine de l'examen final, c'est bien sûr la meilleure préparation, c'est de travailler très fort sur les problèmes de la BQI en fiscalité. Je vous dirais, moi, dans une semaine type là, de fiscalité, vous vous rappelez, là, si on prend une semaine type où il y avait du contenu,
Dans la démarche pédagogique, il y avait plusieurs choses à faire, donc des lectures dans le volume, écouter des petites capsules vidéo, répondre à 10 petites questions choix multiples, et à la toute fin, dans le bas de la démarche pédagogique, c'était de travailler sur les problèmes de la BQI en fiscalité. Ben, à mon humble avis, là, dans une semaine type de fiscalité, vous devriez passer au moins 60 à 70 % de votre temps, sinon 80 % de votre temps, dans les problèmes de la BQI en fiscalité. C'est vraiment là qu'on apprend les choses, c'est vraiment là qu'on voit les nuances, c'est vraiment là qu'on met en application. Mais des fois, il y a des étudiants qui ont des tendances à faire le contraire parce que c'est confortable de rester dans ce qui est un peu plus facile. C'est sûr que c'est le fun de lire le livre, c'est assez bien simplifié. C'est sûr que c'est le fun de faire des 10 questions choix multiples, mais ils ne sont pas compliqués, les 10 questions choix multiples. Ce n'est pas du tout suffisant pour une bonne préparation à l'examen. C'est juste pour valider à chaque semaine que vous n'avez pas pris de retard et que vous avez bien fait les lectures et les capsules vidéo pour vraiment consolider sa compréhension et être sûr qu'à l'examen final, on soit capable de résoudre des problèmes sur chacune des thématiques des sujets 5 à 8. C'est de mettre beaucoup d'énergie dans les problèmes de la BQI en fiscalité. L'autre conseil aussi que je vous rappelle, que je sais que j'ai écrit dans le site du cours en ligne, c'est de bien lire la demande. T'sais, chaque mot que je mets dans une demande, là, il est pesé. Là. Les mots ne sont pas mis au hasard. Chaque mot est clairement souhaité et précis. Donc, allez bien lire la demande. Puis, tu sais, si vous êtes habitué de voir ces mots-là parce que vous avez pratiqué beaucoup puis que vous les avez vus passer beaucoup, ces genres de demandes-là, vous allez savoir exactement ce qu'il faut répondre. Cherchez pas de piège, cherchez pas de deuxième sens. Quand on vous dit veuillez calculer le revenu, ben c'est le revenu. C'est pas le revenu imposable, c'est pas l'impôt. Chaque demande, chaque partie a son nom. Puis moi-même, évidemment, je fais un grand effort pour utiliser les bons termes, puis je vais être précis dans mes demandes. Donc, il vous suffit de répondre à la demande telle qu'elle est demandée, puis de ne pas essayer de chercher plus, puis essayer de chercher un deuxième sens ou un piège. Il n'y en a pas. Voilà, Julie, j'espère que ça répond. Je pourrais peut-être vous donner comme dernier conseil de ne pas vous coucher tard la veille de l'examen aussi. Bon, merci, Julie. Pardon, Sonia pose une question dans l'outil clavardage. Pour l'examen final, devrions-nous faire l'énumération de tous les crédits d'impôt comme dans la BQI du chapitre 7 ou devons-nous nous indiquer seulement les crédits qui s'appliquent dans chaque cas? Bonne question, Sonia. Effectivement, ne perdez pas de temps à lister les 20 crédits d'impôt. Je dis 20 environ, là, je ne les ai pas comptés. Mais consommez pas du temps précieux à l'examen pour lister une liste de 20 crédits d'impôt. S'il y en a juste deux, trois qui s'appliquent, là, donc mettez juste seulement ceux qui s'appliquent. Dans la BQI en fiscalité, vous comprenez que j'ai fait des copier-coller d'une espèce de frame, là, d'une espèce de feuille type qui c'était plus rapide ainsi, mais effectivement,
y a quand même un souci de ne pas perdre de temps dans un contexte d'examen. Je ne prétends pas que l'examen, c'est une course folle puis que vous allez manquer de temps. C'est pas ça que je dis. Mais c'est sûr qu'il faut pas, faut trouver des moyens pour ne pas perdre de temps inutilement à l'examen. C'est une bonne question, Sonia, là. C'en est un bon moyen, ça. Merci pour votre question. Oui, alors une question de Sonia, encore une fois, merci. Avons-nous des points pour les mots inscrits devant les calculs ou simplement des abréviations seraient OK? Autre bonne question, Sonia. Effectivement, une belle façon d'être un peu plus rapide en contexte d'examen, c'est de pas étirer à écrire des mots très longs ou des phrases très longues. Donc, vous pouvez prendre des raccourcis, des abréviations. Je vous jure qu'un professeur, il est, comme moi là, je vous le dis, je m'oblige à toujours essayer de comprendre les étudiants là, puis c'est vraiment, des fois c'est écrit très mal ou avec une tonne d'abréviations, mais je vais quand même me forcer puis finir par essayer de comprendre. Puis donc c'est pour dire que assurez-vous juste d'être minimalement compréhensible pour un prof qui vous corrige, mais c'est le seul objectif. Fait que effectivement, des abréviations, des phrases courtes, ça peut vous faire gagner du temps encore une fois. Merci Sonia. Une nouvelle question de Marco dans l'outil de clavardage qui dit, dans le calcul du revenu, devons-nous toujours inclure toutes les sources du revenu, même ceux exonérés d'impôts, comme les prestations d'assurance vie suite au décès, et ensuite les enlever dans le calcul du revenu imposable? Bien, Marco, il y a certains revenus spécifiquement qu'on n'inclut pas. La majorité, je vous dirais, là, quand c'est écrit de ne pas les inclure dans le revenu, c'est parce qu'on les fait apparaître à nulle part dans notre solution. Dans le calcul du revenu, on les voit à nulle part, puis c'est correct. Que ça soit ainsi. Et les quelques sources de revenus où c'est différent, où vraiment là, le législateur a demandé qu'on inclue le revenu en question dans le calcul du revenu pour ensuite aller déduire le même montant dans le calcul du revenu imposable. Ça arrive à quelques reprises. C'est pas la norme. C'est pas ça qui arrive le plus souvent, mais il y a quelques natures de revenus que c'est ce qu'on doit faire, puis c'est clairement écrit dans le volume. Qu'il y a une inclusion dans le calcul du revenu, puis il y a aussi une déduction dans le sujet 6 correspondant au calcul du revenu imposable. Donc, je vous dirais, pas me répéter, là, mais c'est important de faire la distinction. Certaines sources de revenus, on les met tout simplement pas à nulle part, et certains autres, ils sont rares, demandent une inclusion dans le revenu à la fois, et à la fois une déduction d'un montant équivalent dans le calcul du revenu imposable. Merci à vous, Marco. Bonne question. Question de Noéline.
Alors, Noéline me demande dans la fenêtre de clavardage, est-ce qu'il y aura des questions à développement dans l'examen final? Bien sûr, c'est possible. Il peut avoir toutes sortes de questions, des cas à résoudre, un peu comme les problèmes de vécu en fiscalité. Il peut avoir des questions plus courtes avec des réponses plus courtes. Il peut avoir aussi des questions à développement, mais évidemment, c'est pas, vous devinez que c'est pas un cours où je peux vous demander une page de réflexion ou une page de récit sur quoi que ce soit. C'est quand même un examen qui est chiffré. Mais il peut avoir un petit peu de toutes sortes de formulations de questions. Je ne m'inquiéterais pas trop avec ça si j'étais vous. L'important pour vous, c'est d'être prêt. C'est un étudiant qui est prêt et qui comprend bien sa matière, peu importe la forme de la question, je pense qu'il va bien y répondre. Puis à l'inverse, quelqu'un qui est défaillant et qui comprend pas trop la matière, peu importe la forme de question, on va s'en rendre compte. Donc, c'est un peu ça le but d'un examen. C'est vraiment de démarquer ceux qui ont les compétences, ceux qui ont acquis les compétences correctement, de ceux qui ne l'ont pas fait. Puis c'est le rôle d'un professeur de faire des questions d'examen pour arriver à ce résultat-là. Merci Noëlène pour votre question. Une question de Benoît dans la fenêtre de clavardage. Dans le sujet 5, pour le transfert des frais de garde, dans le cas d'une session d'été, combien de cours seraient considérés comme temps plein? Est-ce que les cours qui se font condenser 2 fois par semaine seraient calculés de la même façon? C'est une excellente question, Benoît. Je la comprends parfaitement. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse en tête. Je suis pas capable de. Je sais exactement à quoi vous faites référence là, dans le sujet 5, mais c'est pas matière examen. La question est tellement précise que ça dépasse la matière examen là, pour sécuriser les autres les étudiants. Mais quand vous dites que dans un couple, on peut transférer la déduction des frais de garde d'enfants vers le rapport d'impôt du conjoint qui a le revenu le plus élevé et que ce transfert-là est possible quand le conjoint est allé aux études à temps plein ou à temps partiel, puis là, le montant transférable n'est pas le même si, en fonction de si le conjoint fait des études à temps plein ou à temps partiel. Puis là, vous me demandez clairement c'est quoi des études à temps plein ou à temps partiel. Faudrait que j'aille voir dans la loi de l'impôt. C'est pas nécessairement l'équivalent de cette définition-là d'étudiant à temps plein ou à temps partiel n'est pas nécessairement la même définition que celle utilisée, par exemple, par l'aide financière aux études. Je sais que dans l'aide financière aux études, un étudiant à temps plein, c'est peut-être un étudiant qui a 12 crédits, puis moins de 12 crédits, c'est peut-être temps partiel. Je ne connais pas par cœur l'aide financière aux études, mais dans la loi de l'impôt, la définition d'étudiant à temps plein, étudiant à temps partiel, n'est peut-être pas basée sur le nombre de crédits, c'est peut-être défini autrement. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas par cœur, Benoît, il faudrait que j'aille voir dans la loi de l'impôt. Désolé, c'était une belle question, j'aurais aimé ça pouvoir vous en dire plus.
Alors, oui, Marco a une question et ensuite, ça sera le tour de Noéline. Marco demande, Monsieur Simard, pour quelle raison avez-vous fait un retrait de vos REER? Donc, relativement à l'étude de cas David Simard, dans l'état de banque, vous voyez qu'on voit passer un retrait du compte REER. Donc, pourquoi pour m'acheter un véhicule? Tout simplement, j'avais besoin d'argent. Merci, Marco. Noéline? À votre tour. Alors, Mohamed aussi avait une question. Vous pouvez poser la question, Mohamed. Je répondrai aux deux questions là, au fur et à mesure qu'elles arriveront. Noéline et Mohamed. Monsieur Simard avait dans la première partie de je me suis acheté Simard avait une Chevrolet. On appelle ça une, est-ce qu'elle un vieux Volkswagen. Non, non, il l'a encore. C'est que j'avais besoin d'une. Je me suis acheté une. On appelle ça un vieux Volkswagen Westphalia. La réponse tout à l'heure, le retrait REER, c'était juste pour m'acheter un véhicule récréatif pour mon plaisir. Ça va, Mohamed? Merci de votre question. Alors, Noéline, peut-être qu'elle n'a plus de questions. Vous lèverez la main de nouveau si vous voulez poser votre question. Ah, la voilà, dans l'outil clavardage, dans la fenêtre de clavardage. Alors, Noéline demande, dans les détails pour le cas, vous avez mentionné que les deux parties doivent être cumulatives, et ce, à dire que les deux cas doivent être faits sur une même feuille de calcul Excel, ou alors on le fait à notre guise? Non, non, Noéline, vous... Vous présentez l'étude de cas comme vous voulez, à votre façon. Faites-vous une structure de travail qui vous est propre, avec laquelle vous êtes à l'aise, qui est compréhensible, qui est facile à corriger. Et la seule chose que je vous demande, c'est que dans votre solution de la partie 2, soit inclus un revenu d'emploi de 114 521. Je le lis dans le... Donc, le 514 521 dont je lis, c'est le revenu d'emploi qui est issu de la réalisation de l'étude de cas de la première partie. Donc, on fait juste mettre ce 114 521-là de revenu d'emploi David Simard, et après, on s'assure de répondre au travail à faire qui est demandé dans la deuxième partie. Mais quant à la présentation de votre solution, vous faites vraiment ça à votre guise. Oui, Marco, je vais aller avec Marco une nouvelle question. Monsieur Simard, avez-vous eu des retenues d'impôt lors de votre REER, de retrait de votre REER? Non. La réponse est non. Donc, j'ai effectivement retiré 9 000 $ directement du REER et encaissé 9 000 $ Il n'y a eu aucune retenue d'impôt sur le retrait du REER. Merci à vous, Marco. C'est une bonne question. Alors, oui, Noéline. En attendant que Noéline pose sa question, vous prenez le temps de la rédiger, Noéline, dans la fenêtre de clavardage. Je vais répondre à la question de Hein qui est déjà posée. Hein demande pour l'examen final, est-ce que ça va être le même principe que l'intra? Donc, j'ai répondu à cette question-là, Hein, tout à l'heure. Donc, effectivement, l'examen final va être sous la même forme que l'examen intra. Et toutes les consignes, les trucs, les conseils que j'aurais envie de vous donner, ils sont tous écrits dans le site du cours en ligne. Donc, si vous allez voir dans le site du cours en ligne dans la semaine 16,
qui est la semaine où se déroulera l'examen final. Vous allez retrouver là vraiment tout ce que j'ai à vous dire là, concernant l'examen. Merci, Inde. Alors, on a la question de Noéline qui dit « S'il vous plaît, veuillez reprendre la réponse à la question de Marco. » Marco demandait tout à l'heure à David Simard « Lorsque vous avez fait votre retrait REER de 9 000 $, donc dans l'état de banque, on voit que David Simard fait un retrait de 9 000 $ de son REER et qu'il encaisse le 9 000 $ dans son compte de banque. Marco demandait si c'était vraiment 9 000 $ qui avait été retiré du REER ou si c'était plus que 9 000 $ et qu'il y aurait eu des retenues d'impôts d'effectuer lors du retrait REER, de sorte qu'il y aurait eu moins qui soit déposé dans mon compte de banque. Mais la réponse, c'est non, c'est pas le cas. J'ai vraiment retiré 9 000 $ de mon compte REER. Il n'y a aucun impôt qui a été perçu et le 9 000 $ est rentré dans mon compte de banque de la Banque nationale. Donc, c'était la question de Marco, Noéline, et la réponse que je lui avais donnée. Hey, il y a une nouvelle question, je pense. Donc, en attendant la question de Inde, je vais lire celle de Sonia qui nous demande dans la fenêtre de clavardage. Le retrait REER d'un individu de moins de 65 ans permet-il un crédit d'impôt pour revenu de pension? Alors, amicalement, Sonia, bien essayé. Donc, comme l'étude de cas évaluée est un élément d'évaluation, ben je comprends, encore une fois, je considère que vous avez tout ce qu'il faut dans les sujets 5 à 8 de votre volume pour être capable de le résoudre au complet. Et je ne vous donnerai pas d'indice sur le traitement d'un retrait REER aujourd'hui. Andréane demande est-ce que nous pouvons remettre la partie 2 dans le même fichier que la partie 1? Bien sûr, Andréane. Je vous jure, là, en matière de présentation, faites ça comme vous voulez. Là, ça m'importe peu. Là. Je veux juste, moi, m'assurer que vous comprenez bien ce qu'il y avait à faire dans la partie 2. C'est juste ça qui va être corrigé. Et pour avoir une chance d'arriver au bon résultat, en tout cas, c'est pour puisque l'étude de cas cumulative, là, comme je disais tout à l'heure, juste être sûr de partir avec un revenu d'emploi conformément à ce qu'il y avait dans le solutionnaire de la partie 1. Et après, ça vous appartient, faites ça à votre façon. Moi, je vais corriger les compétences, tout simplement. Je ne corrigerai pas la présentation. Merci, Andréane, pour votre question. Inde, est-ce que vous avez posé une nouvelle question? Je ne crois pas. Donc, parfait. Anne, vous avez baissé votre main. Je vous remercie.
Alors, je vais lire la question de André-Anne. Puisque nous étudions les sujets 5 à 8 pour l'examen final, j'imagine que tout ce qui a trait au sujet 1 à 4 nous sera fourni pour le calcul complet d'un impôt à payer ou à recevoir. Effectivement, André-Anne, tout ce que vous aurez, je répète, là, tout ce que vous aurez à faire dans l'examen final va reposer sur les compétences des sujets 5 à 8. Les seuls points qui sont prévus dans le barème de correction de l'examen final, c'est des points reliés aux sujets 5, 6, 7 et 8. Donc, il n'y a absolument rien de relié puis qui va vous être demandé puis qui va être attendu que vous répondiez correctement par rapport au sujet 1 à 4. Donc, inquiétez-vous pas pour la forme des questions, ça va être clair, directif. Quand je dis que les gens, les étudiants qui travaillent avec sérieux sur les problèmes de la BQI en fiscalité, bien, vous allez être récompensés à l'examen final parce que vous allez retrouver à l'examen final des questions plus simples, plus sommaires, plus directives parce qu'il y a quand même une contrainte de temps dans un examen. On ne peut pas faire des problèmes trop longs. Donc, mettez l'effort sur les problèmes de la BQI en fiscalité, bien comprendre les concepts de fiscalité, là, puis souciez-vous pas trop de la présentation. C'est pas, on ne devrait pas mêler un étudiant avec la présentation. Un bon examen, ça va, comme je disais tout à l'heure, discerner les étudiants qui ont acquis les compétences de ceux qui ne les ont pas acquis, tout simplement. Et ça devrait être juste ça. Merci pour votre question, Adrienne. Alors, une question de Benoît qui s'adresse à David Simard. Quel âge avez-vous, M. Simard? 41 ans, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier, là. Je suis pas un bon acteur, il faut que je regarde mon texte. C'est ça, j'ai 41 ans. Merci, Benoît. Oui, alors Inde a une question dans la fenêtre de clavardage. Monsieur Simard, comme vous n'avez pas atteint le plafond de la cotisation pour REER 2017, aimeriez-vous cotiser? Non, Inde, considérez que les seules transactions que j'ai faites dans l'année sont celles qui sont dans l'état de banque. Je n'ai pas l'intention d'en faire d'autres et j'en ai pas fait d'autres que vous ne verriez pas là, à la lecture de l'état de banque. Merci pour votre question.
OK, alors Sonia a une question dans la fenêtre de clavardage. Admettons que l'impôt minimum de remplacement doit être calculé dans une question de l'examen. Allez-vous préciser que vous voulez ce calcul ou devons-nous, si gros le gain capital imposable et dividendes, choisir nous-mêmes de faire le calcul de l'impôt minimum de remplacement? C'est une excellente question, Sonia. Vous avez raison que dans le calcul de l'impôt, dans le sujet 7, il y a le calcul de l'impôt standard qui déjà prend un certain temps quand on veut considérer tous les crédits d'impôt qu'il y a là-dedans. Puis un deuxième calcul d'impôt qui doit être fait théoriquement pour tout le monde, là, mais qui ne donne pas tout le temps un résultat supérieur à zéro. Mais il y a un deuxième calcul parallèle qui doit être fait en tout temps dans la vraie vie, là, qui s'appelle l'impôt minimum de remplacement, qui est très différent, mais qui est tout aussi compliqué que le premier. Donc, la question est très pertinente. Est-ce qu'à chaque fois qu'on vous demande à l'examen de calculer un impôt, est-ce qu'il faut systématiquement toujours aller faire les deux calculs? Puis on comprend qu'on consomme deux fois le temps de disponible à l'examen. La réponse, c'est non, Sonia. Ça va être clairement dit. Donc, si je vous demande de calculer l'impôt, je vais clairement dire, ne calculez pas l'impôt minimum de remplacement. Si dans un autre problème, j'ai envie de vous faire calculer l'impôt minimum de remplacement, ça va être écrit, veuillez calculer l'impôt minimum de remplacement. Donc, je vous ferai pas faire inutilement les deux calculs tout le temps. Quand je voudrais valider et tester un des deux calculs, ça va être clairement demandé. Bonne question, Sonia, merci. Et toutes des bonnes questions. Dommage que vous n'en ayez pas plus que ça. Alors, une nouvelle question de la part de Nathalie. Une première question pour Nathalie, je crois. Bonjour, professeur. Donc, je lis la question de Nathalie dans la fenêtre de clavardage. J'essaie de saisir pourquoi certaines déductions sont calculées dans le revenu net sur le rapport et d'autres sont déduites ailleurs, c'est-à-dire dans le calcul du revenu imposable. C'est une bonne question, Nathalie. C'est une bonne question, puis à mérite que je vous réponde bien. Je vais le faire. Mais premièrement, je vais juste vous dire que vous avez remarqué que votre volume, il est séparé par section, dans le sens que chacun des sujets de votre volume fait référence un peu à une partie du rapport d'impôt. Donc, quand on est dans le sujet 5, vous vous rappelez qu'au début de chacun des sujets, on met en bleu la partie du rapport d'impôt qu'on est en train d'étudier. Donc, effectivement, dans le sujet 5, il y a certaines déductions qu'on étudie à cet endroit-là, dans le sujet 5, et qui se placent dans le calcul du revenu, à savoir dans la partie bleue, qu'on illustre avec la couleur bleue dans le volume, et que d'autres déductions, celles qui sont listées dans le sujet 6, sont plutôt placées dans le calcul du revenu imposable. À première vue, on pourrait dire que ça ne change rien, parce qu'en finalité, qu'on place une déduction dans le revenu ou qu'on la place dans le revenu imposable, elle a le même effet, elle réduit le revenu imposable en bout de ligne. Mais il y a quand même... Donc, c'est important de la placer au bon endroit, parce que pour vrai, il y a des différences. Elles ne sont pas perceptibles dans le cadre du cours, mais il y a des différences. Je voulais dire, c'est qu'entre autres, le montant qu'on appelle le revenu, donc le montant qu'on obtient à la toute fin de la section bleue, ce montant-là, c'est un montant de base qui sert à beaucoup d'autres calculs. Donc, entre autres, il y a des prestations fiscales qui sont versées, qui dépendent du revenu fiscal de la personne. Il y a des crédits d'impôt, comme les frais médicaux,
qui dépendent du revenu d'une personne. Donc, c'est le choix du législateur. Certaines déductions, il veut volontairement que cette déduction-là ait comme effet d'abaisser le revenu, en sachant que ça va avoir des impacts sur d'autres attributs fiscaux ailleurs dans le système fiscal, parce que je vous rappelle que le revenu sert à beaucoup d'autres choses. Et d'autres fois, sa réflexion est différente. Il ne veut pas qu'une déduction ait un impact sur le revenu, donc il va plutôt aller la placer plus bas dans le calcul du revenu imposable. Mais pour les fins du cours, malheureusement, il faut apprendre un petit peu bêtement quelle déduction se place à quel endroit, puis bien le faire en contexte d'examen. Merci pour votre question, Nathalie. Benoît me pose la question dans la fenêtre de clavardage. Monsieur Simard, votre maison à Alma était bien votre première maison? Non, c'était pas ma première maison. Donc, j'en ai vendu une. C'était pas ma première maison, la maison d'Alma. J'ai déjà été propriétaire avant. Merci pour votre question, Benoît. Une nouvelle question de Benoît et ensuite je vais aller voir la question de Noéline. Benoît me demande dans la fenêtre de clavardage, avant, dans les 4 dernières années, oui, ça fait plus de 15 ans que j'ai toujours été propriétaire de maison là, sans arrêt. Merci pour votre question, c'est une bonne question. C'est toujours une question posée à David Simard. Là, je vous rappelle, Benoît veut savoir si David Simard est propriétaire de maison depuis longtemps. La réponse, c'est que ça fait 15 ans qu'il est propriétaire de maison, là, sans arrêt. Mais Julie demande, est-ce que M. Simard est célibataire? Donc, oui. Donc, moi, j'ai déjà été marié avec une Madame Dubuc, là, je pense, là, mais maintenant, je suis divorcé, puis je suis célibataire. Je ne crois plus à l'amour. Merci, Julie. On va attendre la question de Noéline maintenant. Alors, Noéline demande, c'est une bonne question, dans la fenêtre de webinaire, comment fait-on pour avoir accès à cet enregistrement après la séance du webinaire? Car j'ai pas pu avoir accès au dernier webinaire. Donc, je vais vous le dire, c'est où? Mais c'est écrit quand vous allez dans le site du cours en ligne, dans les semaines où il y a webinaire, donc dans cette semaine 15 en ce moment, puis il y avait une semaine où il y avait aussi un webinaire avant l'examen intra, mais peu importe, quand vous allez dans la semaine du cours en ligne où il y a un webinaire, on vous donne un lien vers la marche à suivre. La marche à suivre, c'est un petit document de 4 pages qui est présentement affiché à l'écran. Et c'est écrit à cet endroit-là comment on fait pour avoir accès au visionnement du webinaire. Donc, vous savez qu'il est enregistré et le but de l'enregistrer, c'est que les gens, les étudiants puissent le réécouter après, autant ceux qui n'ont pas participé que même ceux qui ont participé. Donc, si on lit ce document-là de 4 pages, on le lit. Si on va voir à la page, je suis à la page 2 du document. Pardon. J'essaie de baisser mon... Donc, je suis rendu à la page 3 du document. Vous voyez ici, 3 de 4. Et si on va voir en bas, ici, à la page 3, c'est écrit « Une fois le webinaire terminé, vous pouvez visionner l'intégralité des échanges qui y sont survenus. Les échanges survenus lors du déroulement du webinaire sont enregistrés et l'enregistrement est ensuite rendu disponible au visionnement à tous les étudiants. Donc, il vous suffit d'aller dans votre compte VIA par la même porte d'entrée que vous avez utilisée tantôt pour participer à ce webinaire-là. Donc, autrement dit, quand vous êtes dans votre compte VIA et que vous êtes, en ce moment, vous avez pesé sur un bouton qui était participer au webinaire ou en tout cas rentrer dans, je pense que c'était participer ou à l'activité. Quand elle sera terminée,
cette activité-là, le bouton va s'appeler « Voir les enregistrements ». Donc, vous allez passer exactement par la même porte, mais au lieu d'entrer dans l'activité qui est en cours, vous allez plutôt avoir un bouton qui s'appelle « Voir le visionnement »,« Voir les enregistrements ». Et si vous allez voir dans votre compte VIA, allez dans le menu « Mes activités », allez voir les activités qui se sont déroulées au mois de février. Vous allez retrouver le webinaire du mois de février qui était juste avant l'examen intra, et vous allez avoir aussi accès aux enregistrements de ce webinaire-là. Merci Noéline, c'est une bonne question. Peut-être que d'autres personnes se le sont posées. Julie demande dans la fenêtre de clavardage. Est-ce que M. Simard est célibataire? Oui. Est-ce qu'il a la garde de l'enfant qui va à la garderie? Donc oui, M. Simard, il a une seule fille, une fille de 4 ans qui habite à temps plein avec moi, avec M. Simard. Donc, il n'y a pas de garde partagée. Là. La garde, elle est entièrement par David Simard. Voilà. Pour la question de Julie. Alors, il est 6h05, ça avance très bien. Je vous rappelle qu'on a 90 minutes à passer ensemble. On a plus d'une heure de fait. Donc, ça va vite bien sûr, quand vous posez des questions puis quand on a interagi ensemble. Donc, il nous reste un beau 25 minutes pour passer à travers les questions qui pourraient vous rester. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions qui ne sont pas pertinentes. Alors, une question posée par Inde dans la fenêtre de clavardage. Est-ce que vous pouvez nous parler de la rente viagère, s'il vous plaît? Je peux prendre une petite minute pour vous expliquer ce concept-là. Je vais vous utiliser le volume, votre volume de fiscalité 1 pour répondre à la question de Inde. Après, je pourrai répondre à la question d'André-Anne. Donc, je vais faire un petit, ce qu'on appelle un partage d'écran. Donc, vous allez voir mon écran d'ordinateur, puis je vais y afficher le volume pour répondre à la question de Inde. Donc, Inde, quand il fait référence aux rentes, ça fait référence aux différents éléments que l'on a vus dans le sujet 5. Et à 2.3, c'est tout simplement ça. À 2.3, il y a deux petites lignes, là, à la page 207. Mais là, je vais juste vous mettre en contexte. Qu'est-ce que c'est une rente? C'est un type de placement qui est non enregistré. Donc, c'est complètement différent des placements qu'on pourrait mettre dans un REER ou dans un FER ou dans un CELI ou dans un compte comme ça. C'est vraiment des placements qu'on appelle non enregistrés, là, ou si vous préférez, hors REER. Imaginez, par exemple, que c'est quoi un contrat de rente? C'est quoi ce genre de placement-là? Prenez l'exemple d'une personne qui gagnerait à la loterie, par exemple, 1 000 000 $, et qui se ramasse avec 1 000 000 $ dans les mains, puis qui se dit, hey, moi, je ne suis pas pour garder ça dans mes mains comme ça, je vais le flamber, je me connais, j'en ferai pas bon usage. Donc, une des solutions, un des produits financiers que cette personne-là pourrait acheter, ce serait une rente. Donc, toutes les banques, les institutions financières, plus les compagnies, beaucoup de compagnies d'assurance vendent des rentes. Donc, qu'est-ce que c'est une rente? C'est d'aller voir, quand on magasine une rente, ben, on va voir une banque, on lui dit, si je vous donne 1 000 000 $ maintenant, je vous laisse cet argent-là, quelle rente vous allez être capable de me payer? Donc, on peut demander d'avoir, il y a des contrats de rente qui sont sur 10 ans, parce qu'on veut se faire verser toute notre rente sur 10 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, et il y a des rentes qui sont payables à vie, donc jusqu'au moment où on va décéder. Ça s'appelle des rentes viagères. Peu importe le contrat de rente. Si vous adhérez à un contrat de rente comme ça, ben vous donnez votre million à l'institution financière et en retour, elle vous garantit à chaque mois, disons, de vous verser un montant X. Ben vous comprenez que quand vous recevez un paiement de rente, donc vous recevez un paiement à chaque mois, le paiement de rente, il comprend deux choses. Il y a deux composantes là-dedans.
Dans la rente que je reçois, il y a le retour de mon capital, donc le retour du million que j'ai moi-même mis à la banque, et il y a du rendement aussi, parce qu'évidemment que l'institution financière me paye de l'intérêt sur mon épargne, sur mon argent que j'ai immobilisé. Donc, en finalité, ce qui est logique au point de vue fiscal, c'est que le retour du capital, ça ne soit pas imposable. Je n'ai pas d'affaire à m'imposer sur le capital que j'ai mis dans une institution financière. La journée qu'elle me le redonne, c'est mon propre capital qui me revient. Ça, ce n'est pas de l'enrichissement. Mais l'intérêt, lui, la portion rendement, elle devrait être imposable. Donc, techniquement, on arrive à cette finalité-là en fiscalité. On le voit à la page 207 du volume, en disant que, d'une part, dans le calcul du revenu, on inclut toute la rente reçue, donc autant la portion capital que la portion intérêt, et dans un deuxième temps, avec une deuxième écriture dans le rapport d'impôt, au niveau des déductions, on a droit à une déduction qui est égale à la portion capital qui nous a été versée. Donc, en résumé, puisqu'on impose la portion capital et intérêt, et qu'après on peut déduire la portion capital, ben on comprend qu'il reste en finalité seulement l'intérêt qui est imposable, et c'est la logique de la chose. Voilà, Anne, j'espère que ça répond à votre question. Je vais répondre à la question d'Andréane. Monsieur Simard, quel était le revenu de votre ménage à votre dernier rapport d'impôt? Qu'est-ce que vous voulez dire de mon ménage? Moi, je suis célibataire, là. Puis, mon dernier rapport d'impôt, vous voulez savoir, c'était quoi mon revenu dans l'année 2000 WW, donc l'année précédente à l'année 2000X pour laquelle vous faites mon rapport d'impôt? Donc, si c'est ça votre question, c'était 50 000 mon revenu que j'ai gagné. 49 000 pour être plus précis, là, le revenu que j'ai gagné l'année passée. Mais je n'étais pas en ménage, j'étais toujours célibataire. Merci Andréane. Je vais répondre à la question de Sonia dans la fenêtre de clavardage qui dit « Quelle est la marge d'erreur pour la réponse finale du solde du remboursement à la fin de l'exercice de la partie 2 du code d'avertissement? Exemple, deux pièces de différence avec votre réponse. » Sonia, inquiétez-vous pas avec ça. C'est la démarche qui est corrigée. Je ne regarde même pas votre solde du. Je ne regarde même pas votre réponse finale. Je regarde seulement votre démarche, puis à différents endroits où j'ai décidé, je vais aller valider si c'est bien fait ou pas, puis je vais aller donner des points. Donc, ne vous en faites pas. Vous pouvez très bien arrondir vos montants quand je vois qu'un élément est bien traité. Si vous avez arrondi les montants puis que vous arrivez à un montant différent de moi pour des fins d'arrondissement, il n'y a pas de problème, je vais vous payer les points. C'est toujours la compréhension qui est payée. Merci Sonia pour votre question. Mohamed, une question peut-être. Et ensuite, je vais répondre à la question de Mohamed et après celle d'Anastasia. Anastasie dit « Bonjour, je viens juste d'arriver, alors je voudrais savoir s'il y a des questions en développement à l'examen final. » Je vais vous répondre, Anastasie, mais comme c'est expliqué, comme vous voyez à l'écran devant vous, si vous voulez poser une question, s'il vous plaît, veuillez lever la main, ce qui va vous mettre dans l'ordre, dans la file d'attente des gens qui posent une question. Donc, pour lever la main, vous utilisez votre petit bouton en haut à gauche de votre écran. Vous allez voir une petite main, cliquez là-dessus et ça va vous mettre dans la file d'attente. Comme ça, je vais pouvoir répondre à votre question. Donc, je vais répondre à la question de Mohamed tout d'abord. Mohamed demande, le revenu bancaire est sur 3 mois. Ça va être tout ajouté. Le relevé bancaire est sur 3 mois. Ça va être tout ou ajouter les sorties de fonds récurrents. Bien sûr, Mohamed, le rapport d'impôt 2000X que vous devez faire dans la partie 2 de l'étude de cas, c'est un rapport d'impôt pour toute l'année 2000X. Donc, c'est sûr que vous devez considérer toutes les opérations pour les 12 mois de l'année 2000X. Comprenez que si je vous avais fourni 12 mois d'état de banque, ça aurait commencé à être lourd. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de vous fournir un premier trois mois de l'état de banque en vous disant que tout ce qui est pertinent à savoir pour l'année au complet, vous le voyez dans le premier état de banque de 3 mois. Donc, dites-vous que dans les autres états de banque que vous ne voyez pas, pour les 9 autres mois, il n'y a absolument rien de pertinent là-dedans. Ceci étant dit, bien sûr, les paiements qui sont récurrents, il faut considérer qu'ils sont récurrents pour toute l'année. Donc, quand vous voyez passer des paiements qui sont mensuels, vous interprétez
qu'il y a 12 paiements comme ça qui sont faits dans l'année. Quand vous voyez passer des montants qui sont trimestriels, bien, vous devez interpréter qu'ils vont avoir lieu 4 fois dans l'année, ces montants-là. Donc, c'est ce qui est indiqué dans la note en haut de page de l'état de banque. Merci, Mohamed. Alors, Anastasia, qui n'a... Où est la question de Anastasie? Vous avez supprimé votre question, Anastasie, j'allais y répondre. Tant pis. Alors, Anne n'a pas levé la main, donc je ne pourrais pas répondre à sa question, malheureusement. C'est une blague, Anne, je vais répondre à la question. Alors, elle me demande, ou il me demande dans la fenêtre de clavardage, le rendement de la rente viagère est imposable avec un taux différent dépendamment de l'âge, n'est-ce pas? Je ne sais pas, hein, ça dépend de comment est construit le produit financier. Donc, les banques sont libres de faire des produits financiers avec des taux d'intérêt soit fixes, soit des taux d'intérêt qui changent au fur et à mesure. Il existe autant de contrats de rente différents qu'il existe d'institutions financières différentes. Mais nous, en fiscalité, ce qui nous préoccupe, c'est à chaque année, de connaître la composante, donc à chaque année où une personne reçoit une rente, dans la rente qu'il a reçue, quelle est la portion qui est le retour de son capital et quelle est la portion qui est du rendement. Et on fait les bonnes écritures dans le rapport d'impôt en fonction de ces deux informations-là. À chaque fois dans la vraie vie, à chaque fois qu'on reçoit des paiements de rente, on reçoit un feuillet fiscal de la part de l'émetteur de la rente qui nous décortique clairement qu'est-ce qui est la portion capitale et la portion intérêt qu'il nous a versé. D'ailleurs, dans l'état de banque de David Simard, c'est ce qui est indiqué aussi. J'espère répondre à votre question, Inde. Alors, oui, Noéline, je vais attendre votre question.
Alors, voilà la question de Noéline dans la fenêtre de clavardage. Doit-on tenir compte du prêt à la réinstallation calculé dans la partie 1, vu que c'est un élément qui fait partie des déductions du revenu imposable? Oui, bien sûr. Donc, il vous est donné cette déduction-là, elle vous est donnée dans le solutionnaire de la partie 1. Elle vous est donnée, elle est toute calculée. Donc, vous n'avez pas à la retravailler, mais effectivement, la déduction relative au prêt à la réinstallation, c'est effectivement une déduction qui doit être placée dans le calcul du revenu imposable. Et comme dans la partie 2, votre travail à faire, c'est de calculer le revenu imposable et l'impôt, vous devez placer cette déduction-là, le montant qui est déjà calculé, qu'on vous donne déjà, dans le calcul du revenu imposable. Effectivement. Il nous reste 10 dernières minutes. Alors, un dernier blitz. Alors, Benoît demande à M. Simard, votre fille est-elle en bonne santé? Oui, c'est gentil de vous informer. Elle est en pleine santé, elle souffre d'aucun handicap. Merci. Oui, alors Andréane veut savoir, toujours dans la fenêtre de clavardage, j'ai un peu de difficulté avec les déductions pour le revenu imposable. Si je vends ma maison à perte, ce serait à la section C que je l'indiquerai si je veux appliquer la déduction dans l'année de la vente. Car on en a aussi discuté à 3B. Revenu imposable à la section C. Si je vends ma maison à perte, ce serait dans la section C que je l'indiquerai. Je vois pas le lien entre le fait que vous vendiez une maison à perte et l'impact que ça peut avoir dans le calcul du revenu imposable. Je vais aller vous le montrer à l'écran. Je vais encore une fois faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir le volume. Donc, on va voir le calcul du revenu imposable de façon visuelle, donc vous comprenez, je pense que vous le comprenez. Donc, quand on est rendu à construire le calcul du revenu imposable, c'est donc qu'on a terminé le calcul du revenu, donc toute la première section, la B, est terminée. Dans le calcul du revenu imposable, il y a quelques déductions qui se placent là, des déductions qui se placent là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, et c'est tout là. Donc, si on revient à la table des matières du sujet 6, il y a une liste exhaustive, très peu nombreuses de déductions qui se placent dans le calcul du revenu imposable. En réalité, il y en a 5. Une, deux, trois, quatre et cinq. C'est les 5 seules déductions, pour les fins d'examen, qui se placent dans le calcul du revenu imposable. Donc, il y a une déduction si je fais juste regarder les titres, il y a une déduction possible pour des gens qui ont exercé des options d'achat d'actions. Il y a une déduction possible pour des gens qui ont inclus certains types de revenus dans leur section précédente, là, comme des prestations d'assistance sociale, des choses comme ça. Il y a une déduction pour certains employés qui ont reçu un prêt qui se qualifie de prêt à la réinstallation.
il y a une déduction pour des gens qui utilisent des pertes qui proviennent des banques de pertes. Donc, il y a tout un fonctionnement de pertes, de banques de pertes que l'on peut traîner d'année en année. Et si on désire, dans l'année 2017, par exemple, utiliser une perte que j'ai de disponible dans l'une de mes banques de pertes, bien, ça va le fait que j'utilise ces pertes-là, ça va se traduire par une déduction dans le calcul de mon revenu imposable. Et la dernière déduction, c'est la déduction pour gain capital qui s'applique pour des gens qui vendent des actions très, très spécifiques, là, des actions de petites entreprises. Donc, c'est vraiment les seules déductions qui ont leur place dans le calcul du revenu imposable. Donc, pour compléter la question d'Andréane, si quelqu'un vend une maison et fait une perte, cette perte-là apparaît à nulle part dans son rapport d'impôt. Je vous rappelle qu'une maison, c'est un bien à usage personnel. Et quand on vend un bien qu'on utilise à des fins personnelles et qu'on fait une perte, à aucun endroit dans le rapport d'impôt, cette perte-là va être placée. Alors, merci pour votre question, Andréane. Parfait, Adrien. Je n'étais pas sûr d'avoir répondu à l'ensemble de votre question, mais vous le dites très bien dans votre commentaire. Donc, dans le calcul du revenu imposable, c'est l'endroit où on peut utiliser des pertes d'autres années. Rien à voir avec les pertes qu'on aurait subies cette année. Super. Avant que vous quittiez, je vais vous montrer dans l'environnement VIA l'endroit exact où on peut revoir l'enregistrement du webinaire. Donc, la question a été posée tout à l'heure par une étudiante. Donc, vous devriez reconnaître un petit peu l'environnement VIA, là, même si vous ne l'utilisez pas souvent. Vous avez passé par là tout à l'heure pour accéder au webinaire. Donc, vous voyez ici, vous avez cliqué sur le petit bouton « Accéder » et c'était la porte d'entrée vers le présent webinaire. Aussitôt qu'il va être terminé, ce webinaire, ce ne sera plus accédé qui va être écrit, ça va être enregistrement. Donc, le webinaire, le CTB 1020, vous le verrez pas dans votre environnement, c'est celui pour les étudiants de fiscalité 2, mais aussitôt le nôtre terminé, c'est plus accédé qui va être écrit, c'est enregistrement et vous pourrez avoir accès à l'enregistrement de cette façon-là. Quand vous êtes dans le menu Mes activités, vous pouvez regarder par mois, par exemple, toutes les activités auxquelles vous avez été conviés ou pour une année complète, par exemple. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous allez retrouver en février les webinaires qui ont été donnés avant l'examen intra. Je sais pas à quoi ça serait pertinent pour maintenant d'aller les voir, mais les enregistrements sont toujours là. Et ceux d'avril, celui d'avril va s'ajouter. Aussitôt le webinaire terminé. On aura le temps pour une dernière question?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'allais dire alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 6h30, mais on va répondre à la question de Noélienne comme dernière question. Et après, je vous dirai le mot de la fin. Noéline, juste me rassurer si vous seriez toujours disponible pour des éventuelles questions avant le final sur Wikifisk. Bien sûr, Noéline, que je vais être toujours disponible. D'ailleurs, vous m'ouvrez la porte pour le mot de la fin. Donc, tout d'abord, je vous remercie d'avoir participé à l'activité. Vous avez été nombreux quand même. Vous avez été actifs. Ça a passé très, très rapidement. Bravo à ceux qui ont pris la peine de poser des questions. Je pense que c'est formateur, puis c'est assurément formateur pour les autres aussi. Ceux qui ont assisté sans poser de questions, c'est tout aussi valable. Si c'est comme ça que vous le sentiez, c'est bien correct aussi. Donc, la dernière chose qu'il me reste à vous dire, c'est bonne chance pour la fin de votre étude de cas qui est à remettre dimanche prochain, n'oubliez pas. Donc, dimanche dans quelques jours. Et aussi pour votre examen final qui s'en vient. Et d'ici là, peu importe pour quelle raison, si vous avez des questions. Faut se rappeler que même si un cours est en format cours en ligne, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de professeur disponible pour répondre à vos questions. Donc, c'est tout le contraire. Les professeurs, moi en l'occurrence, j'assure le même niveau de disponibilité pour répondre à vos questions, en autant que vous preniez l'initiative, bien sûr, de vous manifester. Je vous rappelle que dans le site du cours en ligne, à la page d'accueil, c'est écrit joindre le professeur et je vous rappelle qu'il y a trois façons de me joindre parce que je veux vous donner le maximum de flexibilité. Si vous voulez venir me poser des questions en personne à mon bureau à l'Université du Québec à Trois-Rivières, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez qu'on se parle de vive voix, vous prenez le téléphone, mon numéro est écrit à cet endroit-là et vous pouvez me poser des questions par téléphone. Ou si vous préférez poser des questions par écrit, bien, je vous demande d'utiliser le fameux forum de discussion Wikifisk qui est le lieu où tout le monde se rassemble là, pour lire et poser les questions et répondre et lire aussi les échanges qui sont survenus avec d'autres étudiants. Alors, Benoît dit, est-ce que c'est plus payant de donner un cours en ligne qu'en personne? Je ne répondrai pas à cette question-là. C'est le même salaire, mais le meilleur salaire, c'est de bien vous desservir puis de vous sentir content. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis encore une fois, au plaisir de pouvoir vous aider jusqu'à la fin du cours. Bonne continuité.